Nous corrigeons des fois les vecteurs miscellaneous exercises 2. Question N. Find the angle which the vector A makes with the positive direction of the x-axis. Alors, partie A, il y a un vecteur A. Alors, ça c'est vecteur A. Nous avons un vecteur A, les 2, N, 3. Qui angle li fait avec direction positive direction of the x-axis. Alors ça c'est x-axis. Alors si nous avons un vecteur along x-axis, nous pouvons prendre ce unit vecteur. Nous pouvons prendre i li n 0, 0. Alors nous pouvons prendre angle entre ces deux vecteurs là. Nous passons par la formule cos de angle theta égale, nous faisons dot product avec 2, n 3. N 0, 0 divise par magnitude premier vecteur là, les 2 square plus n square plus 3 square fois deuxième vecteur sous modulus et vous venez n square plus 0 square plus 0 square cos de theta pour égal 2 fois n fait 2 plus 0, 0 divine 2 sur en bas le vin square root 2 2 square plus n square plus 3 square il fait square root 14 fois ici le vin square root n vin n. Alors, theta pour vin cos inverse de 2 sur square root de 14. Et si nous évaluons cos inverse de 2 sur square root de 14, réponse to one decimal place, de pour vin 57.7 degrés. Next, nous répondons par partie B. Là, il peut dire qui angle qui s'avecte la fait avec y-axis. Positive direction of y-axis. Toujours, nous prenons même vecteur. Ça, c'est vecteur E. Vecteur A dit 2N3. Nous avons vu connaît qui angle diffère avec positive y-axis. Alors ça c'est positive y-axis, cette direction. Et si nous prenons un vecteur along, nous ne pouvons pas prendre ce unit vecteur J. Et que unit vecteur J dit 0N0. Et que nous avons vecteur angle between ces deux vecteurs là. Alors nous avons theta. Cos de angle theta pour égal dot product en 2N3. Et 0n0 divise par the length, ça n'a ce length toujours pour square root 14, fois ça n'a ce length pour n, cos de theta égale, numérateur quand nous faisons dot product pour vin n, sur en bas le square root de 14, theta pour vin cos inverse de n sur square root de 14, theta vin cos inverse de n divise par square root 14, to one decimal place, réponse 74.5 degrés. Next, nous répondons partie C. Partie C, toujours vecteur E, les 2 N3. Next, nous pouvons dire qui angle diffère avec positive Z-axis. Alors, ça c'est Z-axis. Et nous prenons une unit vecteur along Z-axis. Ça c'est vecteur K. Vecteur K dit 0, 0, N. Nous verrons l'angle entre ces deux vecteurs là. Alors, cos de angle theta pour égal, nous faisons dot product entre 2n3 et 00n, divise par modulus premier vecteur, il pouvait une square root 14, et deuxième là, vine n. Cos de theta pour égal, numérateur, quand nous pouvons faire dot product, il vine 3, en bas, il vine square root 14, et theta pour vine cos inverse de 3 divise par square root 14. Si nous évaluons, réponse pour vine 36.7 degrés. Question 2. ABCD is a rhombus in which the coordinates of A, B and C are given. Find the possible values of M. Ici, nous avons un rhombus. Et ça, c'est un rhombus. Et là-dedans, nous connaissons 3 points de coordinates à n négatif 2, 3. Next, nous connaissons point B. Ce coordinate est 4, 0, 2. Et nous avons aussi point C, ce coordinate 6, négatif n, m. Et là-dedans, point D, ce coordinate, nous ne connaissons pas. Alors, comment nous faire ça des voies là? Comment nous pourrons m? Alors, ce qui nous capable de faire, vu que nous connaissons 3 points de coordinates, nous ne pouvons pas passer par length parce que dans un rhombus, tout ce bon side est equal length. Il y a beaucoup de façons pour faire ça des voies là. Alors, nous pouvons length of AB, length of BC, c'est facile de roder. Alors, nous ne pouvons pas gagner.
Alors, nous commençons, c'est parti. Ah. Alors, nous avons length of AB, nous avons vecteur AB first. Vecteur AB pour venir OB minus OE. Ici, OB, dit 4, 0, 2. Nous retire OE, dit N, négatif 2, 3. Et pour venir 3, 2, négatif N. Et si nous avons length of AB, dit pour venir positif square root 2. 3 square plus 2 square plus négatif N ce square. Alors, si nous évaluons 3 square plus 2 ce square plus négatif N ce square, dit pour venir square root 2, 14. Next, on a BC. Nous avons le vecteur BC. Vecteur BC pour venir aussi minus OB. Aussi, de 6 négatif NM. Retire OB de 4, 0, 2. 6 retire 4 fait 2. Négatif N retire 0 fait négatif N. Après, devine M retire 2. Ça, c'est vecteur BC. Et next, nous avons le length ou magnitude. Magnitude de BC pour venir. Positif square root de 2 square plus négatif N ce square plus M retire 2 ce square. Ok, nous refaisons square root là. Allez, si nous simplifions 2 ce square fait 4 plus négatif n ce square fait n. 4 plus n fait 5, devine 5 plus m retire 2 ce square. Next, tous les deux autres length bien pareil, ça veut dire length of BC. Et pour bien pareil avec length of AB, ça c'est une property de n rhombus. Tout ce bien ça bien equal in length. Alors ici, pour venir square root 2. 5 plus m retire 2 ce square égale length of AB de square root de 14. Next, tu le dis square root pour éliminer. Tu peux venir 5 plus m retire 2 ce square, ça égale 14. M retire 2 ce square égale 14 retire 4 fait 9. M retire 2 égale plus ou moins ce square root 9 fait 3. M vient 2 plus ou moins 3. Valeur m pour venir, 2 plus 3 fait 5 et 2 retire 3 fait négatif n. Ça c'est réponse pour partie A. Partie B, for the positive value of m, find the position vector of the midpoint of AC. Alors nous avons le midpoint of AC. Ça c'est la ligne AC, diagonale AC. Nous avons le midpoint of AC, nous capable de représenter par m. Alors ça point m là. Il y a autre ce position vector. Alors, comment nous pouvons M ce position vector? Il y a beaucoup de façons pour faire ça. Alors, une façon où on peut passer par formule midpoint. Ok? Une deuxième façon où on peut passer par vector. Par exemple, AM, vecteur AM, li half of vector AC. Et ici, il y a service à positive value of M qui nous gagne de partie A. De partie A, nous gagne des valeurs M. N li 5, N li négative N. Nous pouvons prendre positive là, nous prenons li 5. Alors, nous avons M sur coordinates, ou nous avons passé par vecteur, tout dépend. Alors, nous prenons B sur première partie. Alors, si nous passons par coordinates, là, M ne peut gagner pas. Nous prenons x1 plus x2 divided by 2. C'est-à-dire, ça, nous prenons comment x1, ça, on a x2 divided by 2. Next, y1 plus y2 divided by 2. Et z1 plus z2 divided by 2. Alors, M pour venir, N plus 6 fait 7, divisé par 2 fait 3.5. Négatif 2 retire N fait négatif 3, divisé par 2 fait négatif N.5. 3 plus 5 fait 8, divisé par 2 fait 4. Alors, position vecteur of point M, OM, il pour venir 3.5, négatif N.5 avec 4. Ça, c'est de column form, ou si nous mettons de row form, il vient 3.5i, retire N.5j plus 4k. Ça, c'est ce qu'il me demandait de la première partie. Ça, c'est une façon où on passe par formule midpoint. X1 plus X2 divided by 2. Y1 plus Y2 divided by 2. Z1 plus Z2 divided by 2. Pour nous gagner M sur coordinates. Ou nous devons passer par vecteur. Nous devons dire vecteur EM. Et nous mettons 2 pour faire ça des voies là. Nous devons dire que vecteur EM est égal à half de vecteur ici. Ok? Là, nous devons servir ça pour OM. Alors, nous finirons de dire. À ça, nous répondons une deuxième partie. L'indice find the position vector of point D. Alors, pour gagner position vector of point D, il y a beaucoup de façons pour faire D. Une façon, c'est ou passe par equal vector. Ou vous trouvez que AB avec DC sont equal vectors. Parce que vous êtes dans la même length et que vous direction pareille. Ça, c'est property de ben opposite side de N rhombus. Ça veut dire que sur opposite side, vous êtes equal in length et que vous êtes parallèle. Alors, vous êtes equal vectors. Donc, on va dire que AB égale DC. Alors, nous avons démarré ça pour gagner D.
Alors, vecteur EB, nous capable un vecteur EB, nous fait OB minus OE. Ça est pour égal. D'ici, nous capable passer par OC minus OD. Alors, OB, nous connaît, dit 4, 0, 2. Retire OE, OE nous connaît N négatif 2, 3. Égal OC, ça nous connaît, dit 6 négatif N, 5. Retire OD. Alors, ici, 4 retire N fait 3. 0 retire négatif 2 fait 2. 2 retire 3 fait négatif N. Ça l'égal 6 négatif N, 5. Retire OD. Là, nous pouvons un vecteur OD qui peut venir 6 négatif N, 5. Nous pouvons retirer 3, 2 négatif N. Là, nous gagnons OD. OD pour venir 6 retire 3 fait 3. Négatif N retire 2 fait négatif 3. Et 5 retire négatif N fait 6. Ça, c'est vecteur OD. Nous mettons dans le forme, nous venons 3i. Retire 3j plus 6k. Ça, c'est vecteur OD. Next, nous sommes capables de faire ça de voilà, service à midpoint là. Parce que si nous faisons diagonale DB, il y a aussi ce midpoint, il y a un point M. Là, nous sommes capables de passer par midpoint, nous sommes capables de prendre D, ce coordinate, nous prenons X, Y, Z. Nous avons B, ce coordinate, c'est 4, 0, 2. De là, une autre façon, nous sommes capables de dire que midpoint, il est égal, point M, ce coordinate, M, ce coordinate, c'est 3,5, négatif 1,5, 4. Là, au calcul midpoint, là, on fait x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, z1 plus z2 divided by 2. Après, on équate, on finit rôde x, y, x, z. Ok, ça, c'est bien l'autre méthode pour nous répondre à la même question. Question 3. Relative to an origin O, the position vectors of the points A and C are given. Express AC as a column vector. Partie A, nous pouvons exprimer ici as a column vector. Ici, c'est OC minus OE. OC, l'une de nous, les 8, N, négatif 9. Nous pouvons retirer OE. OE dit 2, 4, 6. Alors, si nous évaluons, nous pouvons 6, négatif 3, négatif 15. Et si nous mettons de row form, nous pouvons 6i. Retire 3j, retire 15k. Ça, c'est partie A. Next, partie B, l'indière. The point B lies on AC. Alors, ça, c'est la ligne ici. Là-dedans, il y a un point B là-dedans. Et is such that AB, la ligne AB, qui est représentée avec couleur vert, ça, c'est la ligne AB, est perpendiculaire avec OB. Ça, c'est B. Allez, nous prenons O ici. Alors, ça, c'est là, j'ai besoin perpendiculaire. Ça veut dire AB, il est perpendiculaire avec OB. Find the position vector of B. Alors, comment nous pouvons faire ça des voies là? Nous pouvons servir vector equation of a line. Alors, nous pouvons prendre ça la ligne là sur vector equation. Il y a R égal. Nous prenons un point sur position vector. Nous pouvons prendre point A sur position vector. Il y a 2, 4, 6 plus paramètre lambda fois direction vector of the line. Nous pouvons prendre AC. Et AC, nous avons 6, négatif 3, négatif 15. Et point B, il y a un point là où la ligne là. Alors, ce coordinate, c'est pour le format 2 plus 6 lambda. 4 retire 3 lambda. X6 retire 15 lambda. Ok, ça c'est B, ce coordinate, ça cause un point de la ligne ici. Et O, l'origine, ce coordinate, c'est 0, 0, 0. Next, nous pouvons servir the fact that ça deux vecteurs sont perpendiculaires. Alors, qui deux vecteurs qui perpendiculaires? Premier, c'est direction vector of AC, que je vais mettre ici. B, ça c'est direction vector of line ici, les 6, négatif 3, négatif 15. Next, nous pouvons prendre BE. Ou soit nous pouvons prendre OB, OB ou BE, parce que tous les deux sont perpendiculaires. Nous pouvons prendre même OB, parce que si nous continuons vecteur là, il est perpendiculaire. Ou nous pouvons prendre les BE, il n'y a pas de problème. Alors, vecteur BE, il peut venir. Alors, vecteur BE, si nous prenons vecteur OB, il est pour 2 plus 6 lambda, 4 retire 3 lambda, 6 retire 15 lambda. Alors, vecteur BE, nous mettons négatif en lui. Il peut venir négatif 2 retire 6 lambda, négatif 4 plus 3 lambda, et négatif 6 plus 15 lambda. Ok, et ça deux vecteurs ajoute perpendiculaire, le dot product pour venir 0. 6 négatif 3 négatif 15, c'est une fait dot product avec négatif 2 retire 6 lambda, négatif 4 plus 3 lambda, et négatif 6 plus 15 lambda. Dot product pour venir 0, alors nous évaluer. Divine 6 fois sa 2 x component nous pour multiplier, divine négatif 12, retire 36 lambda. Ici, il pouvait plus 12, retire 9 lambda. Et nous terminons avec plus
15 fois 6, il fait 90. Alors, il devient plus 90. Retire 15 fois 15, fait 225 lambda. Ça égale 0. Next, nous retournons TM lambda, nous combine. Et la négative 36. Retire 9, retire 225, qui vient négative 270 lambda. Next, ben constant term, nous avons négative 12, nous avons positive 12, ça l'éliminer. Dernier, nous avons positive 90, ça égale 0. Si nous retournons valeur lambda, nous pouvons n sur 3. Next, nous pouvons remplacer valeur lambda de b ici. Alors, ob, nous pouvons dire. Si nous remplaçons valeur lambda, il vient 2 plus 6 fois n sur 3. Next, il vient 4 retire 3 fois n sur 3. Et dernier, il vient 6 retire 15 fois n sur 3. Alors, nous évaluons. Si nous faisons 2 plus 6 fois n sur 3, il fait 4. Y component, il vient 4 retire 3 fois n sur 3, il vient 3. Et dernier, nous avons 6 retire 15 fois n sur 3, il vient n. Alors ça c'est vecteur OB. Si nous mettons dans la forme, il y a 4i plus 3j plus k. Ça c'est réponse pour partie B. Next, partie C. Il y a find the shortest distance from O to line AB. From O to line AB, ça c'est shortest distance. Je vais dire le période OB sur length. Alors OB sur length, nous pourrons dire OB sur length. Ça c'est partie C. Alors, OB sur length, il vient positif square root. Nous désignons un vecteur OB. Il vient 4 square plus 3 square plus n square. Alors, si nous évaluons 4 square plus 3 square plus n square, il fait square root 26. Ça, il vient square root de 26. Et square root 26, nous sommes capables d'évaluer le to free SF. Réponse pour vient 5.n0. Il vient 5.n0 units. Question 4. Find two unit vectors which are perpendicular to both vectors P and vector Q. Alors, ça n'est pas de syllabus, c'est out of syllabus. Parce que pour redonner une question comme ça, quand on a deux vecteurs, ok, qui le une surface et que nous avons envie qu'on ait un vecteur qui est perpendicular avec tous les deux vecteurs, alors ça nous pouvons besoin passer par cross product. Et cross product finali avant de syllabus, mais il n'est plus de syllabus. Alors, question 4. Nous pas faire sa question là, il n'est pas de syllabus. Question 5. The position vectors of the vertices ABC of a triangle are given. Show that the triangle is isosceles. Alors, comment nous pouvons montrer sa triangle là, isosceles? Partie A. Nous avons 3 vertices. Et nous avons vertex A, vertex B. Et vertex C. Alors, chacun se coordinate nous connaît. Premier, il est négative 2, 0, 10. Deuxième, il est 4, 2, 5. Et troisième, se coordinate négative 2, 4 et 3. Et il nous a montré que ce triangle est isosceles. Nous ne passe pas length. Alors, length est plus facile. Pour angle aussi, nous sommes capables de checker. Alors, nous checkons chacun sur length. Alors, d'abord, nous pouvons faire vecteur AB. Vecteur AB, nous pouvons faire OB minus OA. Alors, si nous faisons OB minus OA, 4 retire négatif 2, il fait 6. Next, 2 retire 0, fait 2. Et 5 retire 10, fait négatif 5. Ça, c'est vecteur AB. Et si nous calculons length of vecteur AB, il peut venir positif square root de 6 square plus 2 square plus négatif 5 sur square, il fait square root de 65. Nous faisons pareil pour vecteur BC. Alors, vecteur BC, nous pouvons faire aussi minus OB. Alors, si nous faisons aussi minus OB. Alors, il y a négatif 2, retire 4, fait négatif 6. 4 retire 2, fait 2. Et 3 retire 5, fait négatif 2. Et si nous calculons length of BC pour venir négatif 6 sur square, plus 2 sur square, plus négatif 2 sur square, il fait square root 2, 44. Next, nous reste vecteur ici. Alors, pour calculer le vecteur ici, nous prenons aussi minus OA. Alors, ici, aussi minus OA, ça c'est aussi, ça c'est OA. Négatif 2, retire négatif 2, il fait 0. Next, 4 retire 0, fait 4. Et 3 retire 10, fait négatif 7. Et là, nous calculons length of ici. Length of ici pour venir 0 square plus 4 square plus négatif 7 sur square.
il fait square root de 65. Alors, nous pouvons trouver qu'il y a deux sides de la même length. Il y a ici avec AB, ça de la ligne de la même length. Alors, nous concluons que triangle is isosceles. Triangle is isosceles because nous expliquons que length of AC est égal à length of AB. Et then triangle, si nous avons prouvé qu'il y a deux sides de la même length, il finit bien isosceles. Next, nous répondons par B. Déjà que X is the image of A under a reflection in the line BC. Avant nous get line BC. Ça c'est B, ce coordonnée c'est 4, 2, 5. Et dans C, C ce coordonnée c'est négatif 2, 4, 3. Alors next, déjà que X is the image of A. Ok? Under a reflection in the line BC. Alors disons point A ici. Ça c'est point A. Point A ce coordonnée c'est négatif 2. 0, 10. Ok? Next. Nous prouvons que triangle ABC, ça nous prouve qu'il est isosceles, veut dire AB avec AC, c'est la même length. Alors, ça veut dire si nous pouvons réfléchir ça point A là, la ligne BC, là nous pouvons gagner un point, ça c'est point X. Et question de dire, find the, nous redessiner un peu bien, ça vous permet de faire une straight line. Alors, si nous faisons une straight line, nous venons comme ça. Ça, c'est point X qui nous propose un road. Ce position vector. OK? Right? Alors, ça, nous propose un perpendicular à cause de road image of point A et mirror line de BC. Alors, sa distance avec sa distance, ça, nous pareil. OK? Next. Vu qu'il s'allie un isosceles triangle, ça, deux sides, là, pour même longueur. Pareil. B poil X. Et C poil X, ça aussi, il peut poser la même longueur. OK, ça, il peut poser la même longueur. Oh, ici, là. OK, et sa distance, là, à cause ça, OK, ça, il y a une mirror line. Line BA avec line BX, ça, il peut poser equal in length. Parce que ça, c'est une mirror line. Ça, la ligne, ça, la ligne, poser la même longueur. Ça, la ligne, ça, la ligne, poser la même longueur. Alors, si nous guettons bien, il peut venir une shape ou un quadrilatéral que tous les sides equal in length. OK, il peut venir un rhombus ou il est capable aussi un square, mais ne pas confirmer que tout ça va un vertex, ça va un angle à 90 degrés. Mais si tout ça va une size pareil, il vient un rhombus. Et question peut dire root x ce position vector. Alors comment nous gagne x ce position vector et un equal vectors ici que par exemple AB avec CX nous ben equal vectors. Nous autres pour besoin parallèle et nous autres dans same length, ça lui obvious et si nous autres viennent un rhombus, ça lui là pour besoin parallèle. Alors, qui peut arriver ici? AB, vecteur AB, il peut besoin pareil avec vecteur CX. Alors, vecteur AB, ça n'est une finie faire. Nous trouvons les 26, 2, négatif 5. Il peut égal CX, l'OX minus OC. Les 26, 2, négatif 5. Égal OX, nous pourrons dire, minus OC. OC, négatif 2, 4, 3. Alors, next, ce qui nous peut faire, nous faire OX, c'est subject à formula. OX dépouvine 6, 2, négatif 5, plus négatif 2, 4, 3. Alors, nous gagnons un vecteur OX dépouvine 6 plus négatif 2 fait 4, 2 plus 4 fait 6, et négatif 5 plus 3 fait négatif 2. OK, si nous mettons OX dans la reforme, dépouvine 4i plus 6j retire 2k. OK, ça c'est OX. Pour répondre à sa question, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de techniques que nous sommes capables d'appliquer. Mais ça, c'est une technique. Nous prouvons qu'il y a un rhombus. Comment nous prouvons ça? Vous pouvez expliquer. Ça, c'est une mirror line. Et il y a un point avec sa distance, avec sa distance, ça peut être pareil. Et à cause d'une mirror line, ça, la ligne, ça, la ligne, il peut être identique. Ça, la ligne, ça, la ligne, il peut être identique. Et ça, de la ligne, il dessin isosceles, ça, triangle. Là. Ça, de la ligne, pareil, même longueur, ça aussi, même pareil. Alors, il y a un rhombus. Alors, si il y a un rhombus, ce sont opposite sides, besoin equal in length et parallèle. Alors, nous avons un equal vectors qui peut aider nous à gagner OX. Question 6. The coordinates of the vertices of P, Q and R of a triangle are negative 1, 2, 4, 3, 5, 1 and 2, 1, 2 respectively. Find the length of the projection of PQ on PR. Alors, quelle est la length of projection? Alors, nous faisons une petite note ici. Alors, si il y a la ligne AB et qu'il y a la ligne AC,
Alors, si nous avons pour autre length of projection of AB on AC, qui peut déjà nous rôder? Si nous avons cet angle là et c'est theta, alors length of projection veut dire si nous projetons la ligne AB là ou la ligne AC, nous projetons l'île sur la ligne là. Alors, bien ici. Alors, sa length là qui peut rôder. Sa length qui m'a peut indiquer, allez, je prends l'autre couleur. Alors, sa length là qui peut rôder. Ça, c'est length of projection of AB on AC. Alors, comment nous faire ça? Alors, la ligne vient en right angle triangle. Si nous avons AB sur length, alors si nous passons pas sur toi, sa length of projection là pour venir, length of AB times cos de angle theta. Ça, c'est comment nous calculer length of projection of a line on another line. Alors, nous appliquons ça notre slide ici, de question 6. Alors, ici, il peut dire qu'il y en a un triangle PQR, PQR. Alors, P, nous avons ce coordinate, le négative N, 2, 4. Q, nous avons ce coordinate, 3, 5, N. Et R, nous avons ce coordinate, le 2, N, et 2. 3, 5, N. OK, ici, négative N, 2, 4, 3, 5, N, et 2, N, 2. Alors, ça, c'est triangle PQR. Ça, c'est triangle PQR. Et question qui nous dit, find the length of the projection of PQ on PR. OK? Alors, avant de répondre à cette question-là, nous pouvons besoin de la length. Nous pouvons besoin de length of PQ. Nous pouvons besoin de length of PQ. Le vecteur PQ sur length. Nous pouvons besoin de length of PR. Parce que ça, angle ici-là, pour aider nous répondre à nos questions. Nous pouvons besoin de angle theta. Alors, pour l'angle theta, nous avons deux vecteurs là, vecteur PQ avec vecteur PR. Alors, vecteur PQ, il peut venir OQ minus OP. Vecteur OQ, il est 3, 5, N. Retire vecteur OP, il est négatif N, 2, 4. Alors, là, il peut venir 4, 3 et négatif 3. Et length of PQ qui peut venir? Length of PQ peut venir positive square root de 4 square plus 3 square plus négatif 3 sur square. OK, ici, il dit négatif 3. Alors, 4 square plus 3 square plus négatif 3 sur square fait square root 34. Alors, length of PQ peut venir square root de 34. Next, nous rôde vecteur PR. Vecteur PR, il peut venir OR minus OP. Alors, vecteur OR, ici, il est 2N2. Nous pourrions dire vecteur OP, il est négatif N, 2, 4. Alors, nous subtract 2 retire négative n fait 3, n retire 2 fait négative n et 2 retire 4 fait négative 2. Next, nous pourrons length of PR. Length of PR pour une positive square root de 3 square plus négative n sur square plus négative 2 sur square. Alors, nous évaluons 3 square plus négative n sur square plus négative 2 sur square, il fait square root de 14. Alors, aussi, length of PR pour une square root de 14. Next, dernière information qui nous pour besoin de c'est theta. De la travail là pour faire facile. Alors, cos de angle theta, nous connaissons. Nous besoin faire dot product de PR, PQ avec PR, c'est PQ dot PR, sur length of PQ times length of PR. Alors, cos de angle theta, pour venir, nous faire dot product ça de vecteur ça, nous allons devine 4 fois 3 plus 3 fois négative n plus négative 3 fois négative 2. Divise par length of PQ, nous trouvons devine square root de 34. Ça devient 34 fois length of PR, il devient square root de 14. Cos de angle theta pour venir. 4 fois 3 fait 12. De la retire 3 plus 6, il fait 15. Alors là, il devient 15 sur square root de 34 fois square root de 14. Alors, nous laissons répondre là comme ça même pour l'instant. Alors, nous répondons à une question là. Il dit find the length of the projection of PQ on PR. Alors, PQ, quand nous pouvons projeter le PR. Alors, ça, c'est projection la ligne là. On va projeter la ligne là. Alors, sa length qui est découverte là, ça qui nous propose un rôde, sa length là. Alors, on va mettre length là, disons X, on va proposer un rôde X. Alors, comment nous rôde X? La ligne right angle triangle. OK, alors, length of projection, nous répondons, length of projection of PQ on PR, l'épouvine. Nous pouvons prendre length of PQ, nous fois par cos de angle theta. Alors, length of PQ, nous trouvons devine square root de 34. Nous pouvons faire avec cos de theta. Ici, nous déjà en cos de theta. Les 15 sur square root de 34 fois square root de 14.
Le square root 34, square root 34, l'éliminer. Réponse peut venir 15 sur square root 2, 14. Parce que ça nous a évalué, ok, si nous pas envie exact, il peut venir 4.0n. Autant units, ça c'est length of projection of PQ on PR. Ça c'est length of projection of PQ on PR.